to Madison. Let's go. Un peu d'entraînement, se décousir les jambes après le voyage. Après ça, Julie devrait arriver dans pas long, puis on va aller faire un peu de reconnaissance. Ça, hein? Première pratique de nage. Dans les algues. Il y a un tout petit peu d'algues partout, là. C'est pas dégueulasse. T'as nagé un peu, puis Julie est revenue avec une surprise. Il y en a juste un petit peu dans l'eau, là. Mais l'eau est vraiment bonne, elle est chaude. C'est comme ça qu'on fait à manger pendant les games. On s'est pas encore fait avertir, mais ça sent pas mal dans tout le corridor. Shorts. We have these three four-way stretch shorts. The ones in that this purple color here, we have the electric flash pattern that's on here. It's actually an X-ray of a rig that's actually kind of superimposed. So it's really hard to see from there, but you'll see it on a few other pieces there. It's kind of inspired by the Zeus rig that was used in last year's. I'm gonna bring you right on through. Next up, we have some movie bonds here. Oops. We got a black and a. Cinq heures et demie, jour 1. 5h40. Journée 1 de la compétition. On s'en va tester le obstacle course à 6h30. Puis après ça, le premier event, ça va être le run, swim, run. Ma job, c'est de transporter les affaires que Julie a reçues. On voit pas mon sac. Let's go. C'est la première fois qu'on trouve notre char du premier coup. On n'a pas de musique spéciale, Alexis. Yo, train hard, motherfucker. Yeah. Bien important, un petit arrêt au Starbucks. On est là. Ouais. Check les œufs à Julie. Elle a assez pour déjeuner. Typique des games, on est arrivé ici à 6h30, on a attendu, puis là ça commence à bouger un peu, je pense qu'elle va pouvoir aller faire le obstacle course. Bon, ben on attend que les athlètes viennent tester le parcours qui est juste derrière nous. Ça a l'air de faire à peu près 6 fois la hauteur à Julie Nadeau. On est en train de tester l'obstacle course, le démo d'Albert. Une petite pause à cause de la pluie, on est parti chercher des ponchos, rogue. Three, two, one.
Continue à monter avec les pieds. À 10h45, il s'enregistre, puis après ça, à 11h30, il passe. Sous la pluie, c'est pas la Californie. Il est là. Julie a pas le droit de boire de café pendant l'année, là, mais pendant les games, elle a le droit de prendre de la caféine. On est avant 8h, c'est bien. Dans le workout, l'affaire qu'ils ont pas dit, c'est qu'il y avait un max height jump to the bar. Our final heat of athletes out here with the throwdown. Tackle our bar fight again here in the league too. Give it to each of us in the RC and avoid the loop on. Come on, D! The 40 toes to bar. The rest of American players, cheer her on. That's good for the next one.
A spicy four-rounder, 50 double-unders, and 15 snatches with 65 pounds on that road barbell. As I'm gabbing away, only 30 seconds have passed, and I'll tell you what, less than a minute, we're going to see the hands go up. 30 seconds left. We're going to complete to round number one on that 50 double-under strength. And it's going to go quick. Mike, it looks like we have a tight race already. Back to number one, brand two, all three. Here's center stage, who I know the rest of the field was right with them as well. As the rounds build, we'll start to see that. Go, Denise! The now sitting 17 heading straight to the third competition. I won, Denise! Now the battle for third place is to Paul Stearman. I won, also in the mix. Nine, edging out Boyd in 13.
down, she'll be our complete. Break at 11:01 across the line. Final heat, final workout, right here in front of you at the 2-4. You said it, Mike Scholl holding out the top spot, Folk in second. Kevin and Roy not far behind, and here comes Rebecca Boyd as well. Let's go, Chief! The first session for Alina Folk. But it looks like it's going to be Stephanie Roy now joining Scholl. Jessica all the way down in five. Lisa Marquette in lane. All finished. 90 seconds, athletes. Chewing it down at lane number six. Sur les côtés? Où est Julie?